fond des mines évoluent maintenant des engins modernes qui ont amélioré considérablement les résultats d'exploitation et transformé le rôle du mineur. La mutation des emplois nécessite une éducation permanente du personnel. Voici une séance de formation qui traite d'une taille automatique. Aboutissement fructueux de recherches entreprises en France de 1967 à 1970 avec l'aide financière de la CECA. Maintenant, le principe de la régulation automatique de la poussée sur le blé. La mine de Zola a vécu. Ces images d'hier sont vraiment devenues de l'histoire ancienne. Voici, dernier mot de la technique, la taille automatique, où ont été mis au point les nouveaux dispositifs de télécommande de l'avancement d'une longue taille. Front d'abattage de 150 mètres de longueur, dans une veine de 1,80 m à 2,50 m d'épaisseur, équipé d'un rabot qui abat le charbon sur un large convoyeur blindé, et d'un soutènement marchand d'un type nouveau, le soutènement par pile à flèche. Le poste de contrôle, situé à l'entrée de la taille, constitue le centre nerveux de cette unité de production d'où sortent chaque jour 2 à 3 000 tonnes nettes de charbon. L'allée d'abattage et l'allée de passage du personnel sont protégées par les chapeaux des piles qui forment une cuirasse presque continue à haute portance. La mise au point de ces piles à flèche a constitué la première phase de la recherche, afin d'assurer, avant tout essai d'automatisation, un bon contrôle du toit grâce à un soutènement à portance et amplitude d'ouverture bien supérieure à celle des éléments antérieurs. Le rabot et le convoyeur blindé sont plaqués en permanence contre la couche de charbon par des vérins hydrauliques horizontaux, solidaires des piles de soutènement. En fin de course des vérins horizontaux, après 60 cm de progression, les étançons des piles sont desserrés. En arrière, le toit s'effondre. L'une après l'autre, les piles s'avancent contre le blindé, ne laissant à aucun instant apparaître la moindre carapace d'acier. Le déplacement progressif du soutènement était effectué auparavant par commande manuelle, pile par pile. Chaque mineur de la taille ayant la charge du ripage de plusieurs piles successives. Mais l'augmentation des vitesses d'abattage s'est traduite par l'accélération du rythme de déplacement du soutènement. Quand le préposé n'arrivait pas à suivre, la discontinuité de la poussée qui en résultait créait un désalignement du front. L'automatisation du soutènement a permis de faire face à cette situation. Le choix s'est porté sur un automatisme hydraulique par séquence de 10 piles, comportant une pile directrice et 9 piles auxiliaires. 10 ensembles identiques, soit 100 piles, sont en service le long du front de taille. La pile directrice comporte un clapet. Dès que le convoyeur blindé a progressé de 60 cm, le piston du pousseur hydraulique arrivant en fin de course déclenche l'ouverture du clapet. L'ouverture du clapet commande le desserrage des vérins verticaux, puis le ripage de la pile contre le blindé. Quand la pile est plaquée contre le blindé, la surpression dans le circuit hydraulique de ripage déclenche alors le serrage des étançons. La fin du serrage des étançons au toit commande à son tour la mutation d'une valve qui permet de remettre le vérin horizontal de la pile directrice en poussée sur le convoyeur blindé et de donner à la pile suivante l'ordre de déclenchement du cycle. Desserrage des étançons, ripage de la pile, serrage au toit, mise en poussée sur le blindé. Enfin, ordre de déclenchement d'avancement aux piles suivantes, et ainsi de suite. La deuxième recherche a consisté à créer un ensemble de dispositifs permettant aux contrôleurs de surveiller et de télécommander le fonctionnement de l'installation. Un long train de coffrets de commandes, d'automatisation,
et de centrales hydrauliques transforment la galerie d'accès en une véritable usine. Le matériel est robuste pour fondre aux difficiles conditions d'un déplacement perpétuel. Il satisfait naturellement aux exigences de la sécurité contre le grisou et l'incendie. Tout près du poste de contrôle se trouvent les coffrets de visualisation du profil du front de taille et de la position du rabot. Pour obtenir un rendement optimal, il faut avoir un front de taille parfaitement aligné, donc poussé avec un effort continuellement adapté. On doit ajuster à la fois l'effort de poussée au profil de la couche et l'effort et la vitesse de traction sur la chaîne du rabot. Cette dernière condition a été satisfaite par la mise au point de l'entraînement hydraulique du rabot et du blindé. Les autres conditions ont été satisfaites grâce à des dispositifs électroniques. Des capteurs d'avancement du blindé sont régulièrement répartis le long du front. En voici un. Puis un second. Un troisième. Il transmet un signal tous les 10 cm d'avancement. Vous voyez sur ce schéma l'allure du front de taille dont j'ai volontairement exagéré la déformation. Les capteurs d'avancement de blindé qui divisent le front en cantons d'égale longueur permettent de reproduire sur un tableau lumineux l'image de la déformation du front. Quand le rabot se déplace le long de la taille, sa position est repérée par le télescope situé à côté du tableau lumineux au poste de commande. Les informations données sur la position du rabot et sur le profil du front sont reprises par une logique qui va donner automatiquement à un servolimiteur le bon ordre de poussée. Quand le rabot arrive en face d'un creux, la logique dit « ne pousse pas ». Quand au contraire le rabot arrive en face d'une bosse, la logique dit « pousse au maximum ». Et quand le rabot passe dans une position intermédiaire, la logique dit « pousse à pression moyenne ». Mais si sur une bosse on pousse à pression maximum, le rabot ne risque pas de coincer? Si, c'est possible. Mais avant de s'arrêter, le rabot ralentit. À ce moment, la pression monte anormalement dans son circuit hydraulique de commande, et cette augmentation de pression provoque l'ordre immédiat d'annuler la poussée sur le blindé. À ce moment-là, le rabot peut passer sans coincer. Le profil de la taille se dessine sur un tableau où s'éclairent des lampes témoins qui donnent une image de l'alignement. Sur le tableau voisin, la position du rabot le long du front est indiquée par un curseur et précisée par un repère numérique. En fin de course, automatiquement, le rabot est arrêté et repart en sens inverse. Les informations fournies par les coffrets se traduisent par un ordre au servolimiteur monté sur la centrale hydraulique des vérins horizontaux de poussée. Il ajuste la pression. Réduite pour les creux, très forte pour les bosses. On arrive ainsi à obtenir en permanence un front parfaitement aligné. Le contrôleur connaît à tout moment, grâce au tableau qu'il a sous les yeux, l'allure du front de taille et la position du rabot. Ainsi, ces systèmes de télécontrôle et télécommande ont permis, avec l'automatisation du soutènement marchand, de libérer les ouvriers du chantier de tâches élémentaires et contraignantes. Le poste de nuit est consacré à l'entretien par des mineurs qui sont devenus des techniciens de l'hydraulique ou de l'électronique. Tout est vérifié et tenu en ordre de marche pour le poste du matin. Le fonctionnement optimal de l'unité était impossible à réaliser sans l'automatisation, seule capable de coordonner plusieurs renseignements
et d'appliquer instantanément les ordres qui s'en déduisent. Dès sa mise en service, cette taille automatique a obtenu des résultats supérieurs de plus de 30% à ceux des tailles précédemment exploitées. Quelques heures plus tard, c'est la descente du poste du matin. Le flot de charbon s'en va vers le broyeur rapide, puis se déverse sur les grands convoyeurs à bande. 4500 tonnes brutes sont ainsi extraites quotidiennement, plaçant l'exploitation qui les produit en tête des mines européennes pour le rendement du fonds. 7 tonnes nettes par homme et par jour. Au jour, le fonctionnement de la taille est suivi en permanence grâce au télévigile, qui permet de signaler au fond toutes les anomalies de fonctionnement. Allô, taille Saint-Glamond, j'écoute. Saint-Glamond, attention. Convoyeur numéro 4 en surcharge. Salut, à la prochaine. Il a sous les yeux des voyants, ici ceux de la marche du rabot, qui lui permettent de connaître à l'instant même tous les détails du fonctionnement de la taille. Sans oublier, évidemment, la surveillance du grisou. Au fond, l'usine en marche avance dans la veine, méthodiquement.